saluer tout le monde qui est venu dans la résidence officielle Premier ministre pour venir couvrir la conférence de presse. Donc nous avons dit nous, il faut que nous fassions une petite patience alors, et nous comptons que nous sommes patients assez pour nous capables de gagner et nous sommes capables de dire pour nous s'y causer ensemble. Je dis. Et donc, nous remercions nous pour patience. J'aime te promettre, nous, je dis, nous avons une possibilité pour nous poser des questions. Et ma réponse, nous, le GPNH, et le ministre Henriques, à Claude Commission, si possible, nous répondons une après l'autre. Comme nous connaissons depuis Zak assassinat, qui fait ce président de la République là, en date 7 juillet passé, le gouvernement va établir deux priorités. D'abord, organiser bon jour funéraire national pour le président en accord avec Madame Lee, avec toute la famille. Ensuite, continuer mener enquête là. Jout nan boutli pou président ak famille ak nation kapab jwenn justice. Dabo pou sa ki gen awa ak funeraye la. Nou konnen nou deja gen yon komite ki kreye pa nou arete. Li deja prepare an akor ak famille président pou organisation, activité qui lie à la funéraire. Déjà, il y a un registre pour condoléances qui préparé dans plusieurs institutions publiques avec la mission diplomatique qui à l'étranger. C'est une façon pour nous honorer mémoire chef d'État. Pour ça qui vient à ouer avec enquête là, certain que DG PNH là pour faire des ajouts. La police nationale te baille une conférence pour la presse et matin. Côté de partager avec nous plusieurs informations. Nous avons résumé dans le milieu ça. Évidemment, on dit c'est une évolution. On va voir ça avec le chef de police et côté qui gagne des ajouts dans le ça. 23 arrestations. 7 mandats d'amener. 10 cas fouillés. 24 maisons conservatoires. 4 policiers en isolement. 27 auditions. Je me dis encore, les GPNH avant. Ben, non plus détaillé dans un petit moment. Père haïtien, nous-mêmes qui avons gardé et tendu dans nos mains, je dis nous, moins déterminés pour enquête l'avancée. Il y a pile diversion qu'a fait. Il y a pile piste. Il y a tenté de brouiller pour pas jouer un bon résultat. Mais c'est preuve d'eau. Nous sommes en route pour permettre au président la justice. L'ennemi en pile. Complot à loup. Mais nous pas fait pas. Nous pas fait pas. Assassin, vous comprendre. Il t'a fini tout le président Jovenel, toute l'autre autorité t'a couru. Vous comprenez? Il t'a fini tout le président Jovenel Moïse, toute l'autre autorité t'a couru. Et bien, vous-même, il t'a bien temps. Temps pour effacer indice sous 5 minutes, et puis nettoyer avant le jamais pour lui.
bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à vigilance police nationale, grâce à intelligence population, nous croyons. Et nous prenons en pile dans nous, comme nous connaissons. Nous continuons à poser des questions, continuons à chercher des intellectuels criminels, tenir la justice pour payer sans le faire. Il y a deux choix. C'est soit ils assassinent, même gens qui ont assassiné le président Jovenel Moïse, c'est soit ils quittent l'enquête là, mais ils viennent en bout. Je passe des GPNH là, qui lui-même l'a fait par côté enquête là, l'évolution aujourd'hui, et nous prêts pour nous répondre à une question. Mais ça a gagné la voie également à la funéraire là. M'a quitté ministre de la Ligesse également ajouté le mot après des GPNH. M'a répondu ça concerne le mot rapide pour me passer et communément à DG. Et pour le bagage m'a dit, c'est que j'ai estimé, n'est-ce pas, que le journal et noticien Scaracol là, il est à troisième lieu. Pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, nous-mêmes, Claude Joseph, en novembre 2020, nous sommes Premier ministre. Alors que, en titre là, cité comme Premier ministre en novembre 2020, nous pensons que ça, c'est un moyen pour nous de rejeter. Et ensuite, ce qui est important, c'est que la police nationale, avec la police colombienne, rejeté en bloc. Et nous avons comme dit accusation ça. Mais ça qui est important, ça qui est important, c'est que moi pas déstabilisé parce que moi c'est moi qui écrit qui m'a dit pour FBI là pour nous jouer le support colombien. Moi pas découragé, moi pas qu'à déstabiliser complot à gros bien pire mon dedans pas pour y pis là parce que moi même c'est assassiné pour assassiner ou bien faut qu'on enquête là abouti. C'est ça seulement mon capable dire enquête là pas abouti. La pagouti, si nous voulons assassiner, m'assassiner, mais si attaque sur caractère nous arrive, il ne va pas marcher parce que nous forcer. Le président Maurice Duet, nous campé avec le conseil ministériel, avec le secrétaire d'État en l'air. Jour que je dis, nous avons nous ne pouvons pas assassiner caractère, nous ne pouvons pas assassiner. Mais nous avons enquête la nous abouti. Merci à Dieu. D'accord. Pour répondre spécifiquement à la question posée, déjà c'est l'image de la police là, mais enquête là peinée par des spécialistes, la question. Nous ne sommes pas capables de tout détail au premier, mais on va faire appel au directeur central de la police judiciaire qui va répondre au aspect de la question posée. Merci. Merci déjà. Et en termes de chronologie des faits, il a précisé pour les journalistes que les faits ont déroulé aux environs 1h du matin et 2h du matin. Et la première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmètre CAI président et tout ensemble de entités qui étaient présentes sur les lieux, par rapport à l'enquête là, nous oui, que bien maintenant qu'il y a engagement. Et ceci, c'est ça qui fait inspection générale au niveau administratif ou même enquête sur ça. Et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement et 24 policiers conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à la question, c'est une équipe de la police nationale qui était venue au secours d'une première dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce que nous arrivions à l'hôpital. Merci. Premier ministre, on fait partie de. Alors, nous participons à notre conseil, on fait partie du gouvernement démissionnaire, nous connaissons que vous avez démissionné, ou bien le rôle du ministre Affaires étrangères, le gouvernement Zahra, qui est démissionnaire. En plus, il estime que c'est un coup d'État qui vous fait, le fait
ou pour la fête pour la tuer, et qui sont arrivés de ça, et en plus de ça, qui position par rapport à des débats qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles, et classe politique là, et plus précisément au niveau du Sénat de la République, nous connaissons 10 sénateurs qui étaient, et parce qu'il y a comme 10 élus légitimes, comment comprendre les démarches sérieuses et bonnes. Merci, Mme Amérique. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, je me suis venu en parler. Moi, je fais partie, comme ministre des Affaires étrangères, du comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Mais je choisis par le balai, c'est pour éviter toute interprétation sérieuse. Le président Henri, dernier conseil ministre qui était organisé, avec nous, avec qui là, avec moi-même comme premier ministre intérimaire. Le président Henri, il faut que tu aies des autorités de campé qui vous permettent de nous arriver 9 jours après. C'est ça que fait moi-même comme ministre, premier ministre en intérim. Je te prends courage à demain pour me te annoncer avec l'ex-ministre. Et je profite de l'occasion pour me remercier le secrétaire d'État, remercier le ministre qui, avec moi, a assuré la présidence du conseil ministre. Qui te dit que, je veux dire, dans ce qui vient à voir avec après Jovenel, il est important pour tout acteur de l'État ensemble. Tenir un processus en cours qui tenir une nomination, un premier ministre qui désigne. Le processus n'a pas abouti pour nous tous connaître. Je dis à premier ministre, Dr. Ariel Henry, c'est un acteur important de l'entreprise. Sénat, sénateur, c'est des acteurs importants de l'entreprise. Même la société civile, organisation, secteur organisé, parti politique, c'est des acteurs. Je n'ai pas gagné aucune ambition personnelle, je ne suis pas parti politique, c'est Jovenel Moïse qui me fait changer d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre des Affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon premier ministre. Il n'y a pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président, mon bon devoir moral, pour le juge de justice avec Fomini, madame Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre ensemble. Nous n'avons pas qu'à courir avec un. Moi-même, je n'ai pas dans mon dynamique pour m'intéresser à l'été là. Je pense qu'il faut qu'on tout mette ensemble pour trouver une solution. Mais chaque crise, bien une opportunité. Opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour nous définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise là. Pas de monde qui gagne pour compter. Moi-même, moi c'est un premier ministre de facto. Ariel, c'est un premier ministre désigné par John installé. Lambert, c'est un sénateur, son président Sénat, qui n'est pas président de l'Assemblée nationale à cause de la Chambre des députés. Qui donc nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut qu'on mette nous ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et nous profiter, caméra et collaborateurs, pour lancer un appel à tout secteur qui organisé en un pays. En nous mettant nous ensemble pour nous jouer une solution à la crise. Entre temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est lui qui est important pour nous et presque exclusivement, c'est lui qui est important pour nous. Merci. Bonjour Jean-Philippe. Avant de vous, ma faute à jouer à la réponse PM. Dans le domaine du droit administratif, il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre de la crise où est faite là. C'est-à-dire que vous avez un premier ministre en poste, pendant un poste, le chef de l'État est mort, assassiné,
il a gagné une attitude, il a adopté ses couilles, mais ça, c'était le chaos total. Je vous encourage à adhérer, accompagné de tout gouvernement, et dans le cadre de ce principe, le principe de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche le chaos, il fait suivi. Ouais, que au lieu de rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo pour débat de police. C'est féliciter pour féliciter. Apporte un exemple simple. Moi-même, moi ministre, tout autant pour qu'on remette le ministère à bas monde, tout ça qui passe dans le ministère est sous contrôle. Mais obligé tant de ministre arriver, nommer, on décret, arrêter, l'installer, le remettre et virer mal. C'est à ce moment-là que nous-mêmes devons prendre une responsabilité. Donc, dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour les premiers ministres, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste, c'est une question du dialogue politique. Merci beaucoup. Alors, ça va affecter nous du tout parce que moi connais que Jean de Barrezal va venir parce que nous pouvons intéresser à l'enquête là. Il faut que l'enquête là aboutit, il faut que nous jouions du milieu. C'est ça seulement nous capables. Merci. Merci. On a précisé pour nous à que délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai et en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui est venue en renforcement avec cellules contre les bandes au niveau de la DCPJ. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre enlèvement, qui tout à fait différent avec des mercenaires que nous avons été venus dans le cadre d'un assassinat et la plupart de la gagne nous passer à travers la frontière. Merci. Deux dernières questions, notre premier policier. Bonjour, moi c'est Éloge Nicole, je vais vous donner une question. Je n'ai pas nommé M. le Premier ministre ou le ministre de la communication pour essayer et des petites précisions par rapport à l'endroit. Où se tiendra le plénière du président de la République, je suis dans le monde, qui va être et progresse. Et puis, pendant que toutes les parties sont faites pour finir les enquêtes plateaux, il y a d'autres problèmes sociaux qui existent dans ce monde, en particulier la distribution des produits de produits de l'installation à l'essence. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a expliqué aux populations qui ça peut empêcher que la distribution de gaz ne prenne pas dans la nuit au niveau des stations de gaz? Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai dit tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap Haïtien. Il y aura un acte administratif à fixer, mais précaution qui est prendre fait pas préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que par les deux jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, il est important, c'est la fois de nous travailler autour de deux documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est deux bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap Haïtien, selon les vues de la famille. Donc, on a besoin que la famille, le week-end, on a bien d'autres rencontres qu'à faire parce que nous ne pouvons pas camper, qui fait que nous ne pouvons pas fixer pour nous dans plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le nord au Cap-Haïtien.
Et mais rapport aux presse, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci beaucoup. Pour ça qui est avec la question gaz là, vous allez m'informer nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Et normalement, hier soir, depuis hier soir, le bateau devait arriver. Je pense que c'est les queues, les films que nous voyons dans la station gazio sont bagages qui pourraient passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et là, avec la police et les forces armées, bien sûr, la presse m'a dégagé les endroits, les heures pour les gens qui ont capable de passer, pour les camions capables de livrer gaz. Et nous sommes depuis ce matin d'ailleurs, qui a pris le côté que le gaz a privé. Donc, il faut nous connaître que dans la période que nous y a, dans les circonstances que nous y a, nous avons bagages pour nous. Une attitude que nous gagnons, c'est l'attitude que tout le gouvernement, nous, le Premier ministre, là, qui est chef du gouvernement, nous, c'est nous gagnons ce que nous faisons, nous gagnons tout le monde, mais nous agissons avec tête nous fouette, nous capables de faire assumer les responsabilités que nous gagnons et nous capables, en même temps, de continuer l'enquête pour que le président de la République, la Jovenel Moïse, nous joigne. Justice pour nous éclairer ces circonstances, mais en même temps, nous sommes capables de réaliser funérailles, redémarrer l'activité économique dans le pays, permettre que la vie reprenne force parce qu'on est obligé de vivre. Donc, on a fait ça, on a fait avec responsabilité, on a fait avec dignité, tout, et puis on a fait avec envie de commander le sentiment dans lequel nous apporter par la population. Et le service que nous méritons. Merci. Thank you for the opportunity to ask questions. This is Caitlin Wu for CNN. Les investigateurs américains et colombiens ont eu l'occasion de questionner les suspects et combien de policiers qui travaillaient dans la résidence présidentielle et qui étaient chargés de protéger le président sont sous mesures précautionnaires ou suspicion. Thanks for this question. Yes, our colleagues from the FBI and the Colombian delegation were able to ask some questions to some key backgrounds we got from we completed the assassination. Regarding the police officers who were on duty that day, 24 of them have been invited to the Inspector General, and 24 of them have been sanctioned for now, and 5 more top heads of the different units of the Palace Guard have been sanctioned, and they are now in custody. Some of them. How many? 24 of them were supposed to work. Some of them were there. Can you be specific on how many different actions were present? My question, question depuis plusieurs questions, but my... Lundi 24. 24 et tout est invité par l'inspection générale et tout sous sanction. Merci. On va passer toute mon impression.